Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinéfeuse. À 3. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? En vidéo. Oui, à 3 en vidéo, vous n'imaginez plus. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce que oui, on ne s'est pas revu depuis les années 80, puisqu'on avait fait l'émission sur les années 80, en tout cas à 3. De visu comme ça, en visuel. 30 ans, mec. 30 ans, ça, ça passe vite. Pas beaucoup changé, quoi. C'est fou. Hein. Et donc, bah, on avait envie de se retrouver pour parler encore de cinéma asiatique. Je sais que j'allais dire encore du cinéma asiatique, mais on avait envie. 30 ans auparavant des années 80. On est que des vieux, on parle que de vieux trucs. Donc, en fait, il y a la sortie encore chez Carlotta. On n'est pas payé par Carlotta, mais c'est juste qu'ils font des bonnes sorties. Mais ils font que des bons trucs. Donc, ouais, donc des deux films de King Woo. Donc un grand réalisateur hongkongais / taïwanais parce qu'il a tourné dans plusieurs pays et donc de l'époque de la Shaw Brothers et puis après qui a fait des très très grands films d'arts martiaux de Wu Sapien, donc d'arts martiaux chinois de cap et d'épée. C'est grand réalisateur / Messi pour tous les autres grands réalisateurs, ouais, qui vont suivre. Voilà. Et donc voilà, il y a deux films cultes qui sont ressortis dans des versions restaurées par Carlotta, qui sont Touch of Zen et Dragon Inn. Et c'est important parce que là ils ressortent en Blu-ray, ils étaient passés déjà au cinéma avant, ils étaient même allés à Cannes Classic en mai de l'année d'avant de Cannes, donc ça fait un moment qu'ils sont dans le circuit. Et c'est intéressant parce que ça remet en avant ce réalisateur qui était un des réalisateurs vraiment avec Shen Che, qui c'est un des grands réalisateurs de l'âge d'or du cinéma hongkongais d'arts martiaux et de cap et d'épée. Et on avait envie un peu de revenir de ça et puis un peu de parler de pourquoi ce réalisateur est important et qu'est-ce qui fait que bah, en fait il a inspiré toute une série de grands réalisateurs après hongkongais et autres aussi américains, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'on allait vouloir revenir sur ces deux films. Vous avez autre chose à dire? C'est une bonne introduction. Pour parler un peu de King Woo, tu connais un petit peu plus sa filmo, mais qui il est, où il vient? Bah en fait King Woo, il est il avait débuté. D'où vient King Woo? D'où vient King Woo? Il avait débuté. Alors King Woo, King Woo, parce que le H, c'est ça... King Woo, ouais, ouais, King Woo, ouais. C'est compliqué. Il avait commencé à la Shaw Brothers, tu sais aussi, il avait fait des films pas du tout du Wu Chapian, mais il avait fait des espèces de films avec des, j'ai oublié le titre, des films avec des espèces de combattants un peu anarchistes, un peu engagés, des mecs qui veulent bouleverser le système. Et, parce qu'il avait fait une rétro à la Cinémathèque il y a 4 ans, je vais tout voir. Et c'est vrai qu'en 66, bah, il réalise le film, un des films étendards de la Shaw Brothers, qui est Come Drink With Me. Il y a Rondel d'Or. En français, c'est Rondel d'Or. Rondel d'Or qui a été un énorme carton là-bas et qui a été redécouvert chez nous il y a une dizaine d'années quand c'était sorti. C'est sorti avec les moines, enfin avec oui, les. Ouais, et c'est juste après qu'il quitte la show et qu'il fait Dragon Inn. Tout à fait, tout à fait. Il part à Taïwan. Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, qu'il y a une partie. Dragon Inn est en partie financée par la Shaw Brothers. Enfin, je sais que j'ai entendu parler d'une histoire d'argent. En tout cas, apparemment, mais c'est une nouvelle boîte. C'est au moment de l'Hirondel d'Or qui a un énorme succès que déjà les relations entre la Shaw Brothers, qui était un peu voilà, la grande. La très grand studio de l'époque à Hong Kong. Et King Woo se sont détériorés. Oui, parce qu'apparemment, il prenait déjà beaucoup de temps pour faire ses films. Il prenait du temps, il avait des scènes, il était très dans la chorégraphie. Etc. Alors que la Shaw Brothers, c'était du rush, quoi. Bah, il faut faire vite, sauf que lui, il avait des velléités artistiques qui n'étaient pas forcément du goût de la Shaw Brothers, effectivement, où il fallait faire 15 films par an. Chang Cheh, qui en faisait 4 ou 5 par an. C'est vrai, mais ça se ressent dans les Rondelles d'Or. Bah oui. Le cadrage millimétré, les décors extrêmement dingues. Ça me faisait un peu penser. C'est pas du tout les mêmes films, mais à Intimate Confession for a Chinese Courtisan. Ouais. Tu sais, tu sens qu'ils ont pris le temps de faire ce film. Ouais, quoi. Et encore celui-là, Come Drink With Me, toute la première partie est presque tournée en extérieur, donc ce qui était assez. Oui, c'est vrai. C'est inhabituel, tu vois. Donc, on sent que. Et puis il y a eu cette réinvention de la chorégraphie martiale, où cette fois on va plus s'inspirer de la danse. On renouait finalement avec. La tradition du film d'auberge qu'il a complètement réinventé à lui seul. Et c'était un des tout premiers. On va revenir sur le film d'auberge. C'était un des tout premiers. Rien à voir avec l'auberge espagnole. C'était un des tout premiers Wu Chapian en couleur d'ailleurs de la Shaw Brothers. Il y avait les deux gros films de l'époque. Il y avait celui-là et les trois. Oh là, comment s'appelait ce film de Chang Cheh? Les trois chevaliers. Le trio magnifique. Le trio de Chang Cheh, qui était l'autre film qui a renouvelé le genre avant le savoir manchot. Et c'est vrai qu'en 67, faut avoir en France. Quand il fait Dragon Inn, donc il part à Taïwan,
Oui, il n'engage que des acteurs taïwanais du coup. Ça devient une sorte de producteur indépendant en fait. Bah, le mec, limite, ça devient le Kubrick du Wu Chapian, parce que le mec a un modèle, et c'est en ça que ça va devenir le modèle de d'autres réalisateurs. Mais c'est ça. Et c'est vrai que Dragon Inn, ça va lui permettre de pousser plus loin ce qu'il va faire sur les rondelles d'or, ou limite, pardon, on est presque dans du Sergio Leone, parce qu'il y a une gestion de l'espace qui est complètement différente, et du coup, il a les décors naturels de Taïwan dans lesquels il peut tourner. Pareil, c'est une espèce de grosse intrigue politique où on a des persos qui doivent se rassembler dans une auberge. On a un chevalier. On part sur Dragon Inn, du bah coup. Bah oui, ouais, Dragon Inn. Comme ça, on fait. Dragon Inn ! Non, je fais pas ça. D'ailleurs, c'était marrant, le parallèle qu'il y avait. Tu sais, le logo d'introduction, en fait, qui faisait rappeler un petit peu le... C'était la Warner, non c'est pas façon... Alors, c'est marrant parce que le logo de la Show Brothers sera façon Warner. Voilà, Warner. Et la chanson et la musique du logo taïwanais, c'est le générique de la Fox en... Oui, de la Fox, non, et t'as là avec les tambours. Oui, exactement, c'est ça. Et c'est bizarre, tu dis, mais où je suis? Bah tiens, bah tu es à Taïwan, et en Chine, où le copyright, bah, c'est un, voilà, c'est in your face. Donc Dragon Inn... Rappelle un peu l'intrigue, parce que toi, t'es le dernier à l'avoir vu, donc moi, je m'en souviens. Putain, alors, c'est pas compliqué, c'est super simple. Mais rappelle-la en chanson, plutôt. Il était un chevalier blanc qui arrive dans une auberge. Non, même pas, ça commence avec des eunuques. Oui, en fait, il y a l'eunuque d'une certaine contrée. Je vais vulgariser le truc, parce que je me rappelle pas de qui vraiment... Le nuque est un méchant. Non, le nuque est le chef d'une contrée, et c'est un méchant parce qu'il est méchant. Voilà. Il y a d'autres eunuques, enfin, c'est le chef des eunuques. Et en fait, il veut choper tout le reste d'une famille, en fait, pour pouvoir asseoir sa suprématie. Et sauf que cette famille est en fuite, et du coup, il envoie ses guerriers les plus avisés choper ces fuyards. Ces guerriers-là se disent, tiens, il y a une auberge, on va les attendre là, ils vont arriver ici, par ici. Et voilà, donc il y a les méchants, il y a les gentils, sauf que ces guerriers-là, ils disent à l'aubergiste qui se pisse dessus, mec, tu ne fais entrer personne, c'est nous qui contrôlons tout ton auberge. Il tue d'ailleurs une partie de alors, ses serviteurs. Non, il tue d'autres personnes que tu apprends plus tard qui c'est. Ah oui. Ouais. J'ai pas tout pigé. En fait, c'était des obstacles. Comme souvent l'intrigue au début, des fois, dans ces films-là, sauf que là, c'est très bizarre. Je pigerai au fur et à mesure. Quoi. Ça fait très film de théâtre, c'est-à-dire qu'on te pose l'intrigue comme si t'étais un enfant. Décor. Alors là, vous avez lui, c'est le méchant. Là, vous avez. C'est ça. Mais t'as un peu ça aussi dans Les Rondelles d'Or et puis même dans Touch of Zen. Moi, c'est que les trois que j'ai vus, ça fait très théâtral. D'abord, on pose le décor. Après, on se resserre vers le personnage. Et après, il y a l'intrigue comme dans une pièce de théâtre, effectivement. Exactement. Montre, parce que ça va devenir un huis clos, en fait. Oui. Tout va se passer autour de cette auberge du dragon. Et donc, il va y avoir les gentils qui vont arriver. Il y a un mercenaire qui va arriver, qui est un peu le mec très charismatique, une épée parapluie. J'en venais à lui, en fait. Ouais. Il y a le mercenaire qui arrive et qui va un peu chambouler tous les plans de ces mecs qui attendent dans l'auberge. Parce que c'est le dernier client qui arrive. C'est des coups de pression un petit peu. C'est le jeu des coups de pression. Bah, c'est des coups de pression à Sergio Leone. Je te regarde, tu me regardes, on se regarde, il se regarde. Voilà. C'est bien empoisonner le thé aussi. C'est que à base de meurtre. De meurtre par personne interposée, c'est-à-dire l'aubergiste va mettre le poison dans le truc et l'aubergiste il essaie d'avertir le chevalier en disant, si vous voyez du poison. Il y a aussi un couple qui est important, qui est un couple de guerriers dont une femme, et la femme est censée jouer un homme, elle se fait passer pour un homme. Alors ça c'est très récurrent aussi dans le cinéma, la femme jeune garçon, mais aussi dans le théâtre, le théâtre joué par des garçons, enfin voilà, c'est pour faire des femmes. Mais le film est vraiment issu d'une tradition littéraire plus forte que les autres. Autant Chang-Chi il a un peu balayé ça, mais King Wu il a vraiment embrassé l'aspect littéraire du récit chevalier. Hein. Excuse-moi encore de te couper. Ce qui est génial, c'est que ce mercenaire il te fait penser à un mec David Chiang ou n'importe quoi. Il te fait penser au héros solitaire, à Clint Eastwood dans les Sergio Leone, mais il est complètement différent. C'est un mec un peu loufoque, un peu fin. Et puis il a son parapluie, donc c'est plus sympa que d'avoir un sabre directement. On sent le côté très Western Spaghetti, la façon dont il va, ou même Yakuza, enfin Sanjuro, etc. Il rentre dedans en fait. On sent le mec qui est une petite force tranquille qui va s'adapter, il y a une façon où vraiment il lui tire des flèches, il le chôme dans son bol de thé, il rattrape, il balance comme ça. Enfin, il y a des scènes vraiment superbes, intéressantes. Et puis là, vous vous dites quand même, c'est bizarre, cette nuit ça ressemble beaucoup au Huit Salopards, notamment dans de Tarantino. Mais effectivement, parce que c'est un film, le concept a quasiment est devenu une espèce d'high concept. Quoi. Ouais, mais encore. Je trouve qu'on reste plus dans l'auberge et ses pourtours dans ce film-là que dans Les Rondelles d'Or, puisque Les Rondelles d'Or, c'est vraiment que la première partie. Là,
On passe surtout le premier jour, la première nuit dans l'auberge. Ouais. En plus, il y a tous des combats dans des couloirs, les combats entre les chambres, ouais. Tout ça. Parce qu'au début, en plus, il y a une espèce de quiproquo entre effectivement le chevalier blanc et le couple de chevaliers. Ils ne savent pas qu'ils sont ensemble au début, donc il y a une espèce de doute. Et ensuite, il y a des combats autour de l'auberge. On a un combat de malade auprès des écuries de l'auberge où les mecs. On a un guerrier qui se bat contre plusieurs mecs qui le traquent et tout ça. Et à un moment donné, ils re-rentrent de l'auberge, ensuite ils ressortent de l'auberge. Enfin, c'est des trucs assez, assez dingues. Et finalement, tu te rends compte que ça. T'as deux lieux, en fait, au début. T'as vraiment le décor, l'autour de l'auberge et dans l'auberge, à un moment donné, qui est le seul décor construit. Tu sais que, en fait, c'était. Parce que c'est quelle année ce film 67. Donc, ouais, c'était juste après l'annonce de la rétrocession de 97. Bah, ouais. Du coup, en fait, tu as exactement ça, ce no man's land et puis cette richesse culturelle et donc cette peur que l'impérialisme arrive et défonce cette richesse culturelle. Ça se comprend. Et c'est peut-être l'un des premiers films qui te fait ressentir. Vous avez une partie très quiproquo et puis vers la fin, c'est plus assaut, entre guillemets, puisque vous avez d'un coup tous les mecs qui vont se mettre autour et qui vont attaquer les survivants. Mais ça va encore plus loin, c'est encore plus subtil, c'est-à-dire que c'est pas juste un assaut, c'est qu'après ça va repartir, ça va devenir un petit peu même surnaturel. Oui. Là, ce méchant, il est génial. Donc le duc arrive dans la dernière partie, c'est vrai que la dernière partie est un grand duel qui est plus dans l'auberge. Alors, et c'est autre chose. On est plutôt dans une partie exode, c'est-à-dire là, c'est une partie qui se passe dans la montagne. Qui est vraiment le dernier gros morceau de bravoure du film, il devait y avoir, je sais pas, au moins une bonne demi-heure qui doit se passer dans la montagne, et c'est un morceau qui est interminable, mais dans le bon sens, c'est-à-dire, putain, le mec il repart dans un autre truc, c'est toute une scène où doivent acheminer effectivement la fameuse famille dans la montagne, et leur faire passer pas une frontière, mais ils doivent les emmener de l'autre côté de la montagne, et on a le mec derrière, le nuque qui arrive, et qui leur dit, bon je vous chope, quoi, on va se battre et tout. Et on a des combats où ils coupent des arbres et tout. Enfin, le nuque, ils t'ont quand même fait monter le truc en disant c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est le meilleur. Ouais, mais il est trop fort. Et donc, du coup, d'ailleurs, ils se mettent à 3 puis à 4 pour le battre. Et même pas que lui, son bras droit, ils sont déjà à 2 ou 3 pour le battre. Et en fait, c'est un super intéressant parce qu'à ce moment-là, cette nouvelle partie. C'est comme si tu avais le point de vue des méchants et que tu avais de l'empathie pour eux parce qu'ils sont tout seuls contre plein de gentils. Tu dis, mais en fait, c'est vous les lâches, les mecs. On reste les rôles en fait. Oui, voilà. Sauf que dans un point de vue politique, on n'est pas. Vous êtes deux contre deux. Voilà, non, c'est pas le duel, on va dire le duel, le mano à mano. C'est non, le mec, il est juste. C'est un trop méchant, il faut qu'on se mette à 15 pour le buter. Oui. Mais que tu retrouves dans plein de chapitres après. Hein. Ouais. Dans la rage du tigre, quand il dit, putain, j'ai qu'un seul bras, mais j'ai trois épées. Comment je fais pour le tuer? Et le mec, il trouve une technique pour déglinguer. Et même, tu vas le même de trouver dans d'autres. Pas dans le cinéma d'exploitation japonais, dans tout, quoi. En fait, c'est vraiment une structure qui revient pas mal, je trouve. Mais qui revient beaucoup moins en Occident. En Occident, c'est souvent le gentil. Oui, mais il y a un truc d'honneur, en fait. Voilà, aussi. Exactement. Il y a un truc d'honneur, c'est on va se battre tous les deux face à face. Il n'y a pas le truc de non, mais finalement, on se bat à tous parce que t'es trop puissant, quoi. Je sais pas. Que si dans les Expandables, ils sont quand même beaucoup pour juste tuer Van Damme. Cette partie-là, la dernière partie, je trouve que c'est vraiment ça qui fait trancher le film par rapport au reste du Book Chapman qui se faisait à l'époque, parce que c'est une partie qui tournait encore une fois en décor naturel et ça respire. T'as un scope qui est juste hallucinant. Mais tout le film respire. Non, mais tout le film respire, tu vois. C'est là, tu dis, waouh, les mecs qui tournent ça dans les montagnes de Taïwan, tu vois les arbres géants au fond, t'as la montagne avec un nuage épais, tu dis, mais le mec, il a dû. Mais il te l'amène dans les premiers plans du film, dans la plaine. Tu sais, il y a le premier combat avec les deux frères et sœurs là. C'est magnifique. Oui, il y a même un scope naturel. En fait, c'est super synchronisé. C'est un film où, même si tu vous dis que c'est dans les scènes de studio ou dans les scènes naturelles, il y a une sorte de. Moi, je trouve qu'il y a quand même une sorte de ballet. Ils ont quand même ça en eux. Une chorégraphie incroyable. Chaque plan est chorégraphié. Ils sont au moins 50 dans chaque plan. Ça bouge de partout et chacun sait exactement où il doit aller. C'est fluide et c'est magnifique. Vous l'avez rarement ce cinéma maintenant. T'as même des moments purement atmosphériques. Moi je me souviens, il y a un plan qui m'a sorti, c'est un lever de soleil où on voit les hommes de main des méchants en train de bouffer dehors, en homme chinois, ils sont juste là en train de bouffer. Et tu te dis, mais le mec, pour les plans de pure atmosphère, il pose des trucs assez dingues. C'est souvent dans le crépuscule, ouais. C'est toujours va y avoir quelque chose qui va arriver derrière ce qu'on a fait déjà. C'est toujours le renouveau. Moi c'est mon préféré c'est mon film préféré de King Wu. Ce qui est clair, c'est que je sais pas s'il a très bien marché. Ah oui, ça a bien marché. Ce qui est clair, c'est qu'il a été, c'est devenu un film séminal pour tout un héritage du cinéma
pour les nouveaux réalisateurs hongkongais qui apparaîtront après, notamment effectivement Tsui-Hark, qui est le réalisateur le plus important des années 90. On avait fait une émission sur On avait fait une émission sur lui qui va en fait produire un remake qui en France s'appelle L'Auberge du Dragon, enfin c'est Dragon Inn. Alors en fait. Un vrai remake quoi. Mais vraiment un remake très différent. Que du coup, j'ai l'occasion qui est. C'est vraiment une autre. À part ces deux femmes. Bah, il réutilise la même musique, il utilise, il y a des persos qui reviennent, hein, il y a l'homme au parapluie, vous avez des trucs. Twerk, remake. Oui, il a fait quasiment que des remakes. De toute façon, c'est la période où il remakait tous les classiques, mais c'est vrai que c'est. Bah, on est dans cette démarche 100% sensuelle, une démarche de transpiration. Juste après, il y a Green Snake. Parce que le film est réalisé par Raymond Lee, mais on ne sait pas trop si Raymond Lee, c'est pas Twerk en fait, on n'aurait jamais trop su. On se doute quand même que c'est un peu Tsui-Hark. Donc Tsui-Hark pousse encore plus loin le principe d'un désert totalement, avec une auberge tellement enfermée. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose presque du cinéma d'horreur à la limite. Oui, presque apocalyptique. Et voilà, et on a l'impression qu'on est dans un post-apo. On serait limite dans le désert à la Mad Max. Quoi. Et en plus, il y a ce personnage de Maggie Chang qui en fait il remplace le fameux chef, enfin l'aubergiste. Le vieux aubergiste du premier qui se pissait dessus est remplacé par une espèce de femme totalement sublime interprétée par Maggie Chang, donc In the Mood for Love, en gros, pour c'est le film qui va asseoir sa notoriété. Elle est super sensuelle dans le film et ça devient quasiment l'icône. Et c'est, donc c'est assez intéressant parce que c'est un remake mais qui finalement marche sur un personnage qui n'existe pas dans le premier en fait. Donc c'est vraiment. Les deux sont à regarder pour moi. C'est deux films différents, hein, je veux dire. Et puis même, le film ne va jamais dans le côté forestier, dans le désert. Non, la bataille de fin, c'est avec le nuque, ça se passe dans le désert. C'est dans une tempête, si vous souvenez. Dans une tempête de sable. Dans des sables mouvants. Le nuque, c'est le nien en plus. C'est vrai. Et à la fin, on va rappeler le combat final de fou, complètement barré. À la Sam Raimi, en fait. Il y a un truc avec une jambe arrachée, je m'en souviens. Il a un squelette, il a plus de squelette. C'est très bizarre. Mais super gore, ouais, c'est bizarre. Et il va même revenir là. Il y a enfin, si je me rappelle, il se bat avec son squelette même. Il a plus des os et il continue à se battre. C'est totalement. C'était l'époque où il fallait que les méchants à la fin soient en squelette comme dans Heroic Trio. Le mec, c'est un squelette, après il se bat quoi. Enfin, mais c'est intéressant parce que du coup, ça part son côté super surnaturel. Oui. Comme le part Dragon Inn, un côté surnaturel. Et Touch of Zen ensuite. Parce que Dragon Inn, rappelle-toi, ce méchant à la fin, cette Onyx. Ils se télétransportent limite, ils rompent toute continuité d'espace pour pouvoir dire à ce mec-là, les mecs, il n'est pas à votre niveau. Mettez-vous à 40 pour le battre. Et c'est super. Voilà. Donc, Touch of Zen, tu disais. Ouais, donc voilà, donc juste pour dire. Et puis après, il en fera même un autre qui est un Dragon Gate qu'il a fait dans les années 2000, c'est-à-dire, qui là est officiellement réalisé par lui en 3D. Et on revient encore sur la télé d'auberge bloquée. On peut même aussi citer Swordsman qui était produit, où il y a aussi une partie dans l'auberge. Il faut savoir que l'auberge est devenu un truc de ouf. Twerk a été super inspiré par Kingu, notamment par le montage, parce que Kingu avait monté un principe de montage qui s'appelait la technique du montage en 8 coups. C'est-à-dire c'est un plan d'un seul mouvement de sabre, mais qui est en 8 plans en fait. D'accord. On voit ça dans Touch of Zen dont on va parler, dans un autre film aussi qui s'appelle Pirates et Guerriers. Ok. Qui est juste une grosse tuerie, ça aussi, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Mais en fait, d'avoir vu Dragon Inn et Touch of Zen grâce à Arte récemment, ça m'a vraiment. Excuse-moi, j'aimerais juste revenir sur le montage, ça va sûrement vous heurter un peu la pupille ce montage, parce que c'est que du faux raccord. Mais ça se voit, mais en fait, c'est là où tu dis, c'est la magie du cinéma hongkongais, même surtout avec Tsui-Hark qui est très dans le faux raccord. Aussi John Woo, mais un peu moins quand même, parce qu'il est beaucoup plus romantique, John Woo. Mais voilà, très sec. On part sur l'efficacité plutôt que de la continuité. Et c'est super intéressant, et moi j'adore ça, parce que formellement, ça vous fait un truc qui est complètement incisif, quoi. Il va reprendre le style de Kingu et il va lui rajouter de la caméra épaule, il va rajouter du rythme encore plus frénétique, en fait. Il va rajouter du Sabrina, moins de plan large. En fait, il est moins développé. On sent qu'il vient de là, et ça, c'est ça qui est fascinant. Bah, pour l'époque, Kingu, je pense qu'il devait être extrêmement subversif. C'est-à-dire que le mec il arrive, il te fait 3-4 plans pour un seul coup. C'est le mec qui se barre de la Shaw Brothers pour partir à Taïwan. Ouais, c'est ça. Et il faut pas oublier qu'il est taïwanais de base, Tsui-Hark aussi. Non, il est vietnamien. Ah, mais non, il est vietnamien. Ah, oui, putain, t'as raison. Mais il a travaillé à Taïwan. Enfin, il y a eu. Voilà, ouais, c'est un asiatique. Ah, oui, à un moment là. Donc, ouais, c'est vrai que. Mais non, mais c'est un modèle, quoi. Il y avait deux écoles. Je me souviens que Chen Peipei
qui jouait dans l'Hirondelle d'Or, elle avait été super frustrée parce que Kim Hu s'est séparée de la Shaw Brothers, elle était sous contrat. Et bon, bah, elle était forcée de faire l'Hirondelle d'Or avec Chang Che, alors qu'elle, elle était dans l'école Kim Hu, qui était son, son maître, quoi. C'est, bon, bah. Ah, et puis Chang Che, je pense que ça devait pas être... Tu te, vas-y, fais ton mouvement, c'est crac. Si tu penses... Attends, j'ai notre plan. Tu dis si... C'est très frustrant pour les acteurs. C'est deux films très différents et deux films magnifiques. Non, mais tu dis, si ces films-là avaient été faits à Shaw Brothers, ça aurait pas du tout été la même chose. Et tu dis, ça n'aurait été que Chang Pei-Pei, finalement, dans ce rôle-là. Mais finalement, dans Dragon Inn... Donc on voit cette fameuse famille là de qui est acheminée. Bon, ils sont un peu pouilleux parce que bon, ils sont un peu trimballés d'un pays à un autre, les mecs. Mais c'est marrant parce que c'est un peu un MacGuffin, ces gens-là. Mais c'est ça. et justement, dans ces gens-là, on voit une meuf, une jeune femme, pardon. Une figurante, donc Shu Fang, qui est l'héroïne de Chosen. Alors, on va parler le mec l'a repéré, il a dit, toi, tu vas être l'héroïne de mon prochain film. Alors justement, on va parler de... Touch of Zen. Voilà, la touche de Zen, comme ils auraient pu le dire. Un soupçon. Merci pour cette traduction. Non, mais depuis le temps, je me demandais ce que ça voulait dire. C'est vrai, tu vois. Bah oui, c'est bon, mais c'est intéressant. Qui est un peu considéré comme l'apogée du style King Wu. Un peu le son 2001, l'Odyssée de l'espace, un petit peu. Et c'est aussi le film qui a aussi... Non, mais qui s'est vachement exporté dans le... Dans le monde, notamment en France. Hein, c'était, oui, c'est le 2001 film, du groupe Sapien. Non, ouais, c'est, non, mais, le film, il est passé à Cannes en 4 ans plus tard, déjà, en 75. Voilà, à l'époque. Donc, c'est vrai qu'il a eu les honneurs de la critique. Bah, je crois qu'il a tourné le film sur 2 ans, je crois. Ouais, voilà. Je crois que ça se voit. Le montage a pris tout autant. En fait, quand il fait Dragon Inn, il se sent encore un peu frustré. Il trouve qu'il ne met pas encore assez de temps, il ne s'est pas encore libéré, délivré, etc. Oui. Et donc, du coup, il décide de se... Je ne sais pas, pourquoi pas. Et donc, du coup, quand il fait Touch of Zen, il décide de... Il y va à fond. D'ailleurs, je crois que le producteur qui le suit lui donne vraiment carte blanche. Et je sais pas si il l'a regretté ou pas, mais effectivement, il a mis 2 ans pour tourner le film. Donc, il le tourne là aussi à Taïwan. Et là, on est dans un film encore plus. Qui prend encore plus son temps. Un mec arrête vraiment. Et le film, il dure quoi 2h30 Il dure 3h. 3h, ah oui, c'est vrai. Parce que 3h. Plus ou moins 3h. On suit un jeune dessinateur qui va. En fait. Un jeune lettré, en fait. Un jeune lettré, ouais. Qui était un illustrateur, en fait, qui vit. Qui est un mec, une espèce de. Un petit lâche, un mec pas intéressant, mais qui donc est cartooniste, on va dire, cartooniste, dans son petit village. Et un jour, il y a une belle femme qui arrive, une belle femme un peu fantomatique, comme ça, qui habite en face de lui, sa voisine, qui vit dans une ruine. Oui, alors, elle habite dans une sorte de... Ouais, dans une maison en ruine, quoi. Ouais, une grande villa en ruine qui fait limite penser à... Une maison fantôme. À une maison fantôme, un côté très gothique, quoi. C'est très bizarre. C'est Wu Sapien qui rejoint le film gothique. Tout à fait. C'est un voisin, mais c'est des maisons qui sont quand même entourées de plein de bois. C'est là où on pense à du fantastique, parce qu'on a limite... Perduré. On peut limite se poser la question, parce qu'elle vit avec sa mère là-bas, si elles sont pas mortes, quand on se dit, tiens, mais c'est... C'est Conte de la Lune Vague, quoi. Enfin, c'est l'adaptation de plusieurs nouvelles classiques qu'il a combiné ensemble, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, ensuite, il y a l'intrigue de... Après, il y a une intrigue de chevalerie. De chevalerie qui va amener. On comprend qu'en fait, la princesse, elle est recherchée par des... par des méchants, des empereurs. Toujours des familles impériales. Toujours des instructions. C'est toujours des familles impériales qui ont été trahies, en fait. Mmh. Et du coup, ils sont recherchés par tout le monde. Et du coup, il va se retrouver en plein milieu d'une guerre, en fait, entre elle et des... Et l'institution, parce que c'est un espèce de seigneur qui veut les attaquer. Tout à fait. C'est pour ça qu'elle doit se cacher. Et le jeune lettré va offrir ses services. Et comme c'est pas un combattant, il va devenir une sorte d'architecte de guerre, en fait. Une sorte de stratège, Et il va devenir particulièrement machiavélique. il va y avoir un tournant dans ce personnage. Il va passer du théoricien au mec d'action, au planificateur d'action, en fait. Mais le mec, il prend son trip là-dedans, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et en même temps, il y a quand même une histoire d'amour avec les deux. Et puis, il va se lier d'autres personnages secondaires qui vont créer une sorte d'équipe de rebelles, quoi. Oui, parce qu'en fait, au début... On vous dépeint un petit village. Et ça, on voit tous ça, les. Ça, c'est une heure, quand on commence à parler avec la voisine et tout. On voit ça, c'est que ça prend un temps. Limite, c'est pas au début. Ça prend son temps, c'est beau. En fait. Mais en fait, t'as envie que ça prenne son temps, t'as envie d'être avec eux. C'est beau que ça va, bah t'as. Les images sont tellement magnifiques. La scène où il va le soir dans la maison hantée, entre guillemets, et qui s'éclaire et tout, on est dans du cinéma d'horreur, quoi. On sait pas du tout ce qui va se passer et tout. On met du temps avant d'arriver au côté chevaleresque. En plus, il y a beaucoup de plans un peu naturalistes. On a des plans sur une araignée, sur une toile d'araignée. Oui. On t'explique. C'est du Terrence Malick, quoi. Ce que j'allais dire, c'est... Le mec, il a mis son cadre et il a dit, bah, bon, l'araignée, fais ta toile. Et, mais c'est vrai que je prendrai. Le film est découpé. Moi, j'avais vu une version à la Cinémathèque qui n'est pas cette version-là, où le film était en 2 blocs. D'accord. C'est-à-dire, le premier bloc se terminait après le combat dans la forêt de bambou. Oui.
Et le deuxième bloc commençait par un rappel du combat de la forêt de bambou, et ensuite on ramorçait avec la dernière. Voilà, la première scène d'action apparaît après une heure et demie de film. C'est ça. Donc voilà, il faut. Enfin, c'est Zeus, voilà, c'est une Autant Dragon Inn est un film que tu conseilles déjà en direct en disant vous allez kiffer, finalement vous avez vu Les 8 salopards, vous allez aimer ce film. Vous allez c'est voir. Le film de genre. Voilà, c'est un film de genre séminal. Celui-là, c'est plus. C'est le manifeste. C'est plus un film. Ça devient quasiment de l'expérimental, ça devient du lyrisme, ça devient. On développe quelque chose de. Bon, en fait, un peu t'as plus loin. Tout, quoi. T'as du film c'est de. Presque occultisme. Oui, un peu. Ouais. Tu vois, c'est clairement. On est dans une version clairement fantastique du oui. genre. À la fois quelque chose de très littéraire, c'est-à-dire cérémonie du thé. Oui. Le culte de la nature et tout ça, et on est dans un truc les codes familiaux et en même temps on est dans un truc, on est dans le film d'action dans le film d'action naturaliste avec combat dans les forêts de bambou et tout ça. Après, quand les scènes d'action arrivent, elles sont ouf, hein. elles sont assez impressionnantes. Tu les attends. Effectivement, on revient dans la tradition du récit surnaturel gothique, c'est-à-dire vous avez la maison avec des espèces d'arcades géantes, avec de la fumée qui part dans le truc. Et c'est tout ça qui fait que le film, et à la fin, plus on avance, plus on va dans une espèce de trip métaphysique. Quand on vous explique que dans Dragon Inn, il y avait une dernière partie qui était quasiment un duel, là on revient à cette idée-là, mais alors là c'est une heure, quoi. Et puis là on va sur du. Ouais, sur une réflexion bouddhiste, sur un truc sur l'ascension, etc. Oui, il y a un moine en fait comment ça se moine, bat. Un passage de moine récurrent qui vient. Sur des trampolines. C'est exactement. Ils utilisaient beaucoup les trampolines pour faire des effets en fait, c'est assez spécial. Mais ce qui est hallucinant, c'est que c'est un personnage qui secondaire, mais qui va confronter les personnages principaux à leur propre philosophie. Et même les méchants, qui sont très ancrés dans leurs principes, ils vont avoir comme ça des espèces de d'élan spirituel. Qui disent putain peut-être que je suis pas sur la bonne voie en fait. Et comme dans Dragon Inn hein, au final hein, normalement il dit au spectateur bon il y a eu des méchants et des gentils maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce que vous pensez, voilà c'est mais là ça se développe un peu différemment dans le sens où les deux personnages qui s'affrontent à la fin et qui vont devenir les personnages principaux du film sont des personnages qu'on n'a pas vu de tout le film en fait. Donc d'un coup on se retrouve avec deux autres personnages qui vont quasiment commenter tout le reste du film et d'un coup vont se battre. Et les autres personnages deviennent totalement secondaires, c'est-à-dire le jeune héros et finalement son histoire elle est terminée une heure avant. C'est plus de l'ordre de l'épopée après, ouais. Donc effectivement t'as le temps de voir de nouveaux personnages. Donc c'est autre chose. Et par contre on est dans plein désert, dans la chose très très mystique. Là moi ça me fait penser à du Jodorowsky. Hein. Je pensais à ça, le topo. C'est vrai qu'il y a des trucs assez qui peuvent être déstabilisants pour le spectateur d'aujourd'hui. On a une séquence de presque 5 minutes, on voit le héros éclater de rire sur un champ de bataille parce que. Bah c'est... Il avance et il fait ah non mais elle est énorme cette elle est irréelle cette séquence. Parce et en fait vas-y. En fait le mec c'est devenu un stratège et en fait on comprend sa stratégie après la bataille et le mec en fin de compte se marre de sa enfin il est auto-satisfait de sa non, je suis trop malin, j'ai trop réussi, mais elle est géniale, c'est parce que c'est poussif à fond quoi. Oui mais il en fait des caisses. Oui, il y a le jeu qui est un peu spécial. Non mais c'est intéressant parce que nous, la scène qui est donc qui précède est intéressante, enfin précède la scène d'avant. Ouais, plutôt s'il faut croire qu'il y a des fantômes quoi, voilà, cette scène quoi. D'action est incroyable parce qu'on est dans l'obscurité, on joue avec des effets de nature et en même temps c'est des faux effets faits par ceux qui se défendent et cette scène elle est mais extrêmement inventive. Il y a beaucoup de choses et on est pendant 20 minutes, elle dure bien 20 minutes cette scène d'assaut, on est dans un micro les 7 samouraïs où ils se défendent entre eux, voilà, et c'est super. Franchement pour moi c'est le climax du film, c'est à dire que j'aime bien la fin, ce que ça fait, etc., mais c'est cette scène formellement c'est le morceau de bravoure. Ouais, la fin on peut être critique parce que c'est autre chose, mais c'est comme El Topo, c'est à dire qu'El Topo tu regardes un western un peu bizarre et puis d'un coup ça part dans une réflexion philosophique. J'ai voulu faire un western mais après c'est autre chose. Et puis après, on a eu Blueberry. Après, c'est autre chose. Et puis après, ça a créé Blueberry. Donc voilà, comme quoi, ça. Faut pas des choses, de toute façon. Je voulais mettre des petits enfants dans les western. Oui, c'est ça. Il y a des nains. Il y a des nains, des petites personnes. Tu sais que s'ils te regardent. Bah, ils nous regardent. Bah, ils nous regardent. Sûrement. Et il va pas aimer que tu le tues. Mais c'est pas grave. Super dit. Jodorowsky qui est. Mais c'est des réels intéressants, mais c'est des réels où des fois, tu adhères pas forcément directement. C'est-à-dire que tu dis, ok, je vis une expérience.
il veut me dire des trucs, mais oui, il me désoriente dans ma logique d'un film. Quoi, en fait. Parce qu'il prend un genre qui est très calibré, tu dis je vais regarder un film de ce type, sauf qu'il part, il l'explose en fait, il explose la boîte pour partir ailleurs. Et tu n'es pas prêt en tant que spectateur, et c'est pour ça que c'est des films qui ont besoin d'une relecture, qui ont besoin qu'on les pense après pour pouvoir les interpréter. C'est le gros d'une vie. Hein. Oui, mais ça devient des films de minuit souvent. C'est des films vus par des petites communautés qui vont réfléchir, qui vont penser à du spirituel, etc. T'imagines le script, il devait être comme ça. Pense, mais moi, ça se trouve, le script était comme ça. Remarque, il disait, tu sais quoi, on va faire c'est l'ambiance, c'est lancinant, ouais, voilà. Ouais, je me demande si c'est pas l'inverse, moi, parfois. Je pense que le mec, il a dû rallonger les trucs. Ouais, largement. Mais c'est vrai que ce film-là, c'est son plus long et c'est son plus connu. Même si après il va faire un... Ça a été un échec, hein, je crois. Et pourtant, ça a coûté beaucoup d'argent, donc du coup, bah, ça a été un peu la fin. Enfin, ça a un peu été T'imagines, un gros échec. Sur ça, en 71, t'as Big Boss avec Bruce Lee, t'as La Rage du Tigre, et c'est vrai que t'as ce truc qui arrive. On n'est plus du tout dans l'exploitation, on est dans une œuvre de formaliste bien au-dessus. Et ouais, effectivement, on rejoint Kurosawa dans la dimension complètement... Toi, c'est pas un film où t'as beaucoup de foule. Beaucoup de forêt. C'est un petit peu plus intimiste que dans Dragon. Tu vois, c'est pas un film épique dans le sens où t'as des grosses séquences de bataille. Non, mais t'as des décors incroyables, t'as des mouvements de caméra encore plus dingues que dans Dragon, où les mouvements de caméra sont fous. Ce qu'il aime bien faire en termes de caméra, c'est il fait un travelling de gauche, droite, gauche, et puis les personnages vont partir gauche, droite, et il fait souvent l'inverse en fait. Mais il peut te faire ça sur 30 mètres de forêt, quoi. Donc du coup, ça avait des plans très impressionnants. Et c'est le film qui a créé l'icône. Mais doit être compliqué. Puisque Chou Fong, l'actrice principale, c'est devenu l'égérie de King Wu. C'est devenu l'une des plus grandes actrices cinéma taïwanais. C'est devenu la guerrière triste par excellence, un peu la guerrière un peu silencieuse. C'est elle qui a supervisé la restauration. Excellent. Elle est devenue productrice, je crois. Elle est productrice, c'est super. Et tu vois, ça ne m'étonne même pas parce que moi, j'ai vu que ces trois films-là, enfin les trois films depuis les Rondelles d'Or, et à chaque fois, ce qui s'en ressort, c'est la force de la femme. Oui. Il y a tous les hommes qui se battent entre eux, mais au milieu, il y a la femme qui les balaye. C'est l'inverse de Shang-Chi. Hein, en termes de charisme, je veux dire. C'est l'inverse de Shang-Chi. Et je comprends pourquoi Choyark, il est aussi fan. Parce que Choyark, il balance des femmes dans ces univers complètement hystériques. Et c'est elles qui sont super intéressantes. Après, tu verras, il y a un autre film qui est sorti chez nous en DVD, c'est L'Auberge du Printemps. D'accord. Qui est un peu moins bien, qui revient plus dans l'idée de Dragon Inn, mais un petit peu moins bien. Ensuite, t'as Pirates et Guerriers, qui est lui beaucoup plus masculin, qui est un film avec des samouraïs. Et tu as, ça il faudrait qu'il le ressorte vraiment, parce que c'est un film de ouf, c'est Raining in the Mountain. Qui est donc avec la même actrice. Donc il fait du soleil dans la ville, c'est ça. Non, il pleut dans la montagne. Oui, voilà. Et qui est un film qui est peut-être son deuxième plus beau film, objectivement, qui est un film qui se passe uniquement en montagne. Dans une pagode, et c'est un film pareil que sur des intrigues dans un endroit unique. Mais ça il faut vraiment le ressortir. Et c'est tout tourné en décor naturel ou presque. Pareil, c'est un projet de. Ah, d'ailleurs, à noter que Touch of Eden après est devenu culte et a été redistribué, ressorti plusieurs fois. N'importe comment. Et c'est devenu à Taïwan quand même un film qui est beaucoup ressorti et qui a été revu en fait. Mais... C'est Florent du cinéma taïwanais, exactement. Et d'ailleurs, il y a des. Dans les figurants, apparemment, il y a des Jackie Chan, Sammo Hung qui ont fait la figuration là-dessus. Sammo Hung, il fait l'un des soldats de la fin. Ouais. C'est un des trois mecs. Mais Jackie Chan aussi, apparemment, était aussi. Sammo Hung, il a débuté chez King Kong, dans Pirates et Guerriers. Il joue quand même un samouraï. Mais les deux, Jackie Chan aussi, il a fait Top Shosen. Et je ne sais pas s'il a fait Dragon Inn, mais au même moment, il faisait aussi les Bruce Lee. Trop jeune. Il faisait aussi les Bruce Lee. C'est ça que c'est intéressant, parce que Bruce Lee, quand il est arrivé, lui, il a vraiment donné une baffe à tout ce qui était Show Brothers et tout film de sabre. Parce qu'il a popularisé énormément le film de Kung Fu. Parce qu'il a ramené le film de Kung Fu, mais en même temps, c'est pas vraiment lui qui l'a. Non, il l'a popularisé. C'est Wong Yu qui a vraiment. Ouais, bien sûr. Humaniste. Grand réalisateur humaniste. Le mec il arrive et il fait Big Boss, tout le monde dit je veux voir que ça, on oublie les films, Touch of Zen, ça peut être la consécration du Wukshapian, on s'en fout, moi je veux voir du... Voilà. On parlera de Bruce Lee dans un autre épisode. c'était pour analyser cet échec de Touch of Zen. Les gens vont... Il faut être synthétique et compréhensible. Mais c'est une production de Demiurge Touch of Zen. Commencez par Dragon Inn ou les Rondelles d'Or. T'as 4-5 films comme ça. Voilà. C'est important de ne pas... Non mais limite quand tu vois Touch of Zen et quand tu vois Dragon Inn après, limite Dragon Inn c'est la bouffée de fraîcheur. Tu dis c'est le film de l'entre-deux mais dans lequel tu as tout.
et dans lequel tu te dis, bon, j'en veux encore, en fait. Alors que quand tu arrives à Touch of Zen, les 3 heures de Touch of Zen, t'es repu, mais t'es jamais, mais jamais ennuyé. Moi, Non. j'étais là, je me dis, putain, mais montrez-moi encore cette montagne. Fais-moi ton plan de 10 minutes sur la petite source, là, dans la montagne, pas de Moi, problème. j'étais même frustré à la fin, hein. J'en Ah veux ouais. encore, Non, mais genre. ce qui est marrant aussi, c'est que c'est un film aussi sur le hors-champ et sur les ellipses. Il y a un enfant, il y a un bébé dans la dernière partie, qui est un truc qui Tout arrive comme ça. est sujet à Ah discussion ouais, dans mais c'est à ce dingue. moment-là, effectivement. C'est Pareil, bizarre. ce plan du moine qui arrive et qui pose le bébé, le mec qui se retrouve, il y a mon bébé qui est là. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ouais. Ça, c'est vraiment. Les deux sont vraiment des chefs-d'œuvre absolus. C'est vraiment, vraiment un truc de malade. Alors, on devait faire la critique. Qu'est-ce qu'on peut dire de mauvais? On n'arrête pas, je Non, mais commence à ces choses. moi, je suis trop Ouais, content je que sais ces pas. films soient sortis en Blu-ray en France. C'est du pain béni, là, pour le coup. Vraiment super. Je les avais vus en salle l'année dernière quand ils étaient surpris. Alors j'étais trop content. Dragon Inn, je l'ai revu 2 fois parce que ce film il me rend fou, je trouve ça énorme. Mais non, franchement, T'as raison, je suis super exprime ton content que amour. ces films sortent par un éditeur de qualité, Carlotta. Il faudrait moi que je mette par contre la main sur le coffret parce que dans le coffret il y a un documentaire sur King Hu qui est en DVD et qui est juste sur le coffret. D'accord. Ah oui, ça m'a, on l'a. Procurez-vous ces films, franchement, c'est juste énorme. C'est énorme. Ben J'ai moi, pas je. de, j'ai, Puis je peux finalement, pas. là, il y a que 2 films qui sont sortis, donc ça ferait pas un gros trou dans le budget, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Parce que si t'avais toute la collection qui sortait, de toute façon, Bah, tous les Kurosawa, on vous les sort, tu ça fait vois, mal au cœur tu au bout. vois, je pense qu'il faut pas tous les sortir parce qu'ils sont pas tous. Enfin, genre le dernier, là. Il y en a un dans les années 80 que j'ai oublié qui est pas top, mais à la limite, juste Raining in the Mountain, ce serait énorme. Franchement. Et Pirates des Guerriers pour le montage. Bon, Carlotta, vous avez compris, hein. Ah non, Bon. mais il faut qu'il y ait une restauration d'abord à Taïwan pour que ça arrive chez nous. D'accord. Et ben moi j'ai rien d'autre à dire en fait. Le mec effectivement, ouais, c'est très Ce bien. sont deux chefs-d'œuvre. Non mais ben oui voilà, mais faut T'es serait. le marchand de tapis de Non mais c'est vraiment moi Kingo. des œuvres. Quand t'as vu les Chang'e en masse et tout ça, là tout ça c'est des. Ouais, c'est des bouffées de. Waouh, c'est céleste comme truc, c'est pas. Chang'e c'est la terre, c'est le. Ah, les mecs qui se battent, qui mettent la main dans la mer. Là c'est le. Waouh, Je pense qu'on est bon, hein, Ouais, là. on est bon. Non, mais Oui, mais je. il faut en rajouter Non, mais je parce suis d'accord, d'ailleurs. que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'émissions internet sur la sortie de King Kong. Pas d'émission Donc tout court. voilà. Donc non, non, il faut vraiment. Allez-y. Allez-y. Bon, en tout cas, si vous connaissez, je sais pas, notamment Joon Soo-yark, John Woo, tous ces réalisateurs asiatiques qui ont fait des films après, même encore une fois, les 8 salopards, etc. Revoyez Dragon Inn, vous allez voir que c'est à l'origine, et c'est comme quand vous allez voir un Léon, vous vous dites, ah, Mais c'est ça, c'est exactement. ce mec, ça vient de là. Ils viennent de là, c'est lui le Exactement. papa. Et puis après, vous pouvez voir C'est le Touch of King. Zen, qui est un peu le Il était une fois en Amérique de King Hu, qui est un peu le Tout à fait. Apocalypse de King C'est Hu, qui est un vrai. peu, voilà, ce que vous Au-delà voulez. de tout ce qui est film d'auberge, même Tigre et Dragon, Le Ah secret des poignards volants, tout ça vient de ça, bah ça vient Tigre et Dragon, c'est limite un copier-coller de de. l'esthétique Ingu, mais Oui. C'est vrai. adapté C'est américain. aux Occidentaux, Et quoi. l'auberge espagnole aussi, j'ai refait la vanne parce que ça n'avait pas C'est vrai marché. que l'affiche, c'est C'est inspiré. l'affiche. L'aubergiste part en folie, tous les films Et donc là, je crois que c'est le moment de conclure cette émission. C'est vrai que quand on parle de cinéma français, il faut arrêter, quoi. Bon, très bien. Bah, on vous dit à bientôt. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour parler d'autres cinémas du monde. Salut à tous. Ciao.